est attaqué. On a besoin d'aide. Oh non, mon sang, non. Il faut absolument que j'y retourne. Tu es blessée. Merci. Cette fois, j'ai vraiment cru que c'était la fin. J'ai vu personne. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Whitman. Il a emmené Sam pendant l'attaque. Il va sûrement la ramener à Mathias. C'est notre faute. Merde. Enfin, c'est ma faute. Alors on fait quoi? On peut prendre le bateau et chercher de l'aide. Eux aussi, ils y ont cru. Tu avais raison pour Whitman, mais... tu as vu les tempêtes. Elles ciblent les bateaux qui s'approchent. Des scientifiques qui étaient là pendant la Seconde Guerre pensaient que les tempêtes étaient contrôlées depuis la chambre des rituels qui est près du monastère. Je n'ai pas toutes les réponses, mais l'enlèvement de Sam est lié à tout ça. Et si on essaye de partir sans comprendre pourquoi, on mourra tous. Comme les pilotes. Et comme Ross. Je sais pas ce qui se passe, mais... elle a peut-être raison. On ne peut pas retourner à la forteresse. C'est du suicide. Ce n'est pas là qu'ils vont. Ils vont l'emmener à la chambre des rituels. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir se rapprocher. Écoute, je sais bien que tu veux retrouver ta fille. Je comprends, tu sais, mais le combat n'est pas fini. Je ne te demande pas de me croire, Reyes. Je veux que tu me fasses confiance. Ok. On va mettre ça à l'eau. Ok, Lara. Dès que tu seras prête, tu montes sur le bateau. Lara, qu'est-ce qu'on va chercher là-dedans? Tu tiens vraiment à le savoir? Non, mais dis-le quand même. Eh bien, l'âme de la Reine Solaire est restée prisonnière d'un corps sans vie. C'est sa colère qui est à l'origine des tempêtes. Si nous détruisons ce corps, les tempêtes cesseront. D'accord. Et pourquoi Mathias veut ça? J'en sais rien. Et c'est ce qui m'inquiète le plus. Écoute, je sais que ce plan doit paraître insensé. Ça, c'est sûr. Mais je crois qu'on n'est plus à ça près. Alors on y va. Non. Reyes et toi, vous surveillez l'entrée principale pendant que je recherche Sam. Tu comptes y aller seul? Plus on sera nombreux, plus on aura de chances d'être repérés. En restant ici, vous allez pouvoir éliminer un maximum de ces salauds. Et je ne parle pas seulement des Solari. Il y aura autre chose. Des samouraïs, les gardes tempêtes. Bref, si ce n'est ni Sam, ni moi qui approche, vous tirez. Ma petite Kai, on se reverra. Ça, je te le promets. Tu peux compter sur nous, Lara. Thank you.
Ils n'attendent plus que d'être présentés à leur nouvelle reine, par celui-là même qui a su nous la ramener. Ah. Bien sûr, bien sûr. Ces tribus archaïques n'ont pas de secret pour moi. La reconnaissance, James. Qu'est-ce qu'il fait ? Je suis le docteur James Whitman. Je viens à vous en paix. Je vous amène votre nouvelle reine. Oh non. Votre reine. Votre... Johan. My friend. Peut-il être vivant après tout ce temps ? La prière que j'ai trouvée sur le général suggérait qu'une âme prisonnière d'un corps sans vie serait la cause des tempêtes. Je sais qu'il devait parler de la dernière reine solaire, mais je ne comprends pas le rapport avec Imiko. C'était la première reine solaire.
Mathias a l'air de penser que Sam a un lien avec tout ça. C'est le meilleur qui vaille. Et ce Whitman qui ferait n'importe quoi pour un bon sujet. Je sais que la réponse se trouve dans la chambre des rituels, mais ça ne va pas être facile d'y accéder. Les gardes tempêtes protègent l'entrée. Je sais que j'ai pas le choix. Et j'ai peur de ce que je vais y trouver. Thank you.
Écoutez-le.